La sortie du patron de la santé publique ce 1er janvier 2021 l'a conduit au cœur des problèmes de dialyse. Sa rencontre fortuite avec les patients lui permet de prendre le pouls de la situation. Parfois, on a fini avec quelqu'un, on a bien désinfecté tout, tout ça, signalé que c'est prêt. Dès que vous vous installez là-bas, tac, la machine saute. Ça, c'est quoi ça? Chaque jour, il faut qu'on te tire les machines, c'est quoi ça? C'est une vie, ça? Non, vraiment, Excellence, que nous ayons au moins le matériel. Quand on arrive comme ça, qu'on nous dialyse au moins. Manaouda Malachi décide de science tenante d'accélérer le processus, déjà enclenché pour soulager leurs souffrances. On est arrivé à un niveau de décrépitude de ce centre tel que c'est plus acceptable. On va renouveler les générateurs, tous les générateurs. Si on peut se rencontrer dans le cadre d'une assemblée générale, on va discuter. L'assemblée générale, immédiatement fixée le 19 janvier. Bonne nouvelle pour les malades qui voient en cette annonce leur cadeau de nouvel an. Le même sentiment anime des patients internés à la maternité et en pédiatrie à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé. Après un long séjour ici, ces dames n'ont pas pu solder leurs factures. Aujourd'hui, le ministre de la Santé publique prend tout en charge. Elle s'est abandonnée moi-même ici. Là. Je n'ai pas de paix, pas de main. On m'a opéré, l'enfant est mort et je suis resté. Merci, papa. Merci. Il y a de la joie dans l'air, surtout que la nuit du 31 au 1er janvier était plutôt calme. Une dizaine de cas d'accidents enregistrés dans les 6 hôpitaux visités cet après-midi et aucun décès signalé pour le moment.